Salut tout le monde, c'est Margot. Bah alors on se retrouve sur l'office. Alors on va faire du métier. Donc je vais vous montrer quel pain je fais, qu'est-ce que je fais avec mon métier. Donc tout d'abord, on va faire ça. Alors j'espère que vous allez bien. Donc petit moment tranquille ensemble. On va monter le métier paysan. Donc vous êtes censé savoir que paysan a mité avec boulanger bien sûr. Mais à savoir aussi que pour le pain, il dépend beaucoup soit de chasseurs, soit de pêcheurs et aussi alchimistes. Donc c'est très bien d'avoir les 4-5 métiers niveau 200. Après, on ne peut pas tout avoir. Donc pour l'instant, je vais vous montrer, on va dire, le pain arrivé au niveau 100. Je crois qu'on peut le faire au niveau 70, que je dise pas de bêtises. De toute façon, dès que vous pouvez cueillir du lin, normalement c'est bon. Alors, on va pas s'attarder. Donc, moi, ce que je vais faire, hop, pain. On fait ça, pain de biscotte. Donc, à revente par 100, ça fait 220 000 camas. Donc, le lin, c'est bon. Et on compte pour 100, 120 000 ça, à peu près 30 000 ça. Et à peu près 30 000 ça. Donc on fait un bénéfice d'à peu près 50 000 par tranche de 100 pains. Donc, vous voyez mes dernières reventes. Bon, bien sûr, il y a des runes. Biscotte, 224 000 fois 100. Là. 224 000 aussi ici. On peut les vendre à l'unité. Bon, ça, c'est juste pour voir si ça se vendait mieux. Par 10, ça se vend bien. Alors, par contre, je crois qu'elles se sont vendues avant que je déconnecte. Ouais, c'est bien ça. On regardera tout à l'heure à la banque combien j'ai. On descend. Bon, la zone, hein, c'est juste à côté du ZAP. De toute façon, il y en a une à droite, une zone à droite et une zone à gauche. Voilà. On va faire ça. Bon, c'est une petite vidéo pour parler ensemble. Donc, on va pas faire de. Pas faire de combat, pas d'astuce camas, ni rien. On parle juste vite fait du métier. Je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer aussi les familiers, que d'ailleurs je crois que je dois nourrir. On a le chrome à 8 O et 4 R. Donc je vais monter à 10 L, après 10 R, après je vais mettre capacité accrue. Donc ça c'est bientôt fini. 7 pour le No Moon, 8, 9 et 8. Donc normalement ils vont monter tous de 1. Ok, ça c'est super. Ça c'est cool, ça donne 100 à chaque fois. On met le petit sac pour avoir un peu plus de pods. Le mien il donne 900, je l'ai crafté la dernière fois. Voilà. On va monter à. On va en faire combien? On va monter à. Ouais, 1000. 1000, je pense que c'est correct. Merde. Arrête de misclic. C'est pas vrai. Oh, cette map, elle est vraiment chiante. Voilà. Hop! On finit ce champ. Je crois qu'à droite, à gauche, c'est mieux. Moi j'aime bien celle qui est à droite du zap. Comme ça c'est tout un champ en carré. Il n'y a pas de bordure comme ça là. Il est en plein milieu. Vas-y, fauche-moi tout ça. Nickel. De toute façon plus on en a, plus ça va vite pour les 1000. Comme ça on évitera sûrement de faire des cups. Voilà. Ça. Voilà. Parfait. In the world now, I'm kissing the girl who watch. J'ai cette musique dans la tête. Vous l'avez entendu tout à l'heure.
Hop, on fauche s'il y en a. Hop. C'est la cueillette des nouilles. Nous sommes si frais, nous les paysans. On va sûrement faire des grèves dans l'office pour vendre plus cher notre lin. Petite dédicace aux agriculteurs français qui sont en mode grève toute l'année. Je ne critique pas. Lol. Allez, plus vite, plus vite. Bon, un petit combat encore là, parce que sinon, on en chope combien? Voilà, que 5. Je crois que c'est en moyenne entre 1 et 1 et 11. 1 et 7 peut-être. Ah non, 4 et 9. Bon, ça va, 4 et 9, c'est pas mal quoi. J'étais partant pour faire... Attendez. Voilà, on est beaucoup mieux. J'étais partant pour les pains de seigle, mais franchement, la viande hachée à 74 000. Oui, très bien. Surtout que le prix estimé n'est pas du tout pareil. Franchement, pour moi, c'est la biscotte le mieux. On va up niveau 102. Nice. Perfecto. Muy bien et tout. Donc, on a ça. Oh là, on va prendre en haut là, il y a pas mal d'étoiles. On est à 600, ça va, on est pas mal. Putain, arrêtez. Je m'explique toutes les 2 secondes. C'est bon. Ah, merde. Voilà. Allez, on se dépêche de faire ça. Ouais, alors, écoutez, on va faire que ça. C'est juste pour voir. Normalement, j'en ai 100. Normalement, je peux en faire 100, largement même. Allez, va là-bas. Ouais. Ouais, on en a 800. Ça, c'est propre. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les familiers, on va nourrir ça. Hop. Lui, il prend rien. Voilà. Les autres, normalement, ils prennent. Truc qui colle. Ah, oh, il prend rien. Le méchant, le méchant, le méchant. C'est un foutage de gueule. Ah oui, toi aussi. Ouais, tu respectes que dalle, quoi. Ça, c'est parce que je vous ai oublié, ça. Bande de saloperies. Huit. Ah, ben, il n'y en a qu'un seul qui a pris. Donc, what is the fuck? Ok. On est parti, c'est ça? Ouais, allez, on est parti. On va aller acheter. Hop. Un chimiste. Donc ça va être le truc le plus cher. Alors attendez, il faut compter d'abord qu'on fasse pas les noobs. 810. Hop. 810 divisé par 5. Ça fait 162. Voilà. 162 pains. On est correct. Mmh. 120, donc on fait la moitié. T'en étais à combien? On est à 7 500 000. Donc là j'en ai pris 200. Hein. Donc faut compter 40 de plus, quoi. Mais on va revendre que 100 pour voir le prix exact. Donc que 100, ça aurait fait 120 000. On est d'accord? Voilà. Ressources. Ressources, normalement, c'est Scorbut qui est là. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai vu que ça s'est vendu.
Je fais, allez, allez, on est des fous. Non, on va faire pareil, on va acheter 200. Donc là, ça fait 130 000, on arrondit. 130 000, hein. Je compte que les 100 premiers, on va en faire que 100 pour calculer vraiment la rente. Pour l'instant, on a 100 000 de bénéfices. C'est quoi déjà? Bah oui, jus de poisson. Vous allez voir que la recette est plutôt bonne pour le prix. Bon, excusez-moi d'avoir des voisins débiles. Voilà, c'est parfait. Moi, j'en rachète 100 pour moi. Donc, ça fait 160 000 au total. Jusqu'ici, on est d'accord. Vous comptez 122 000 plus 6 400 plus 32 000. Maintenant, on va dans Atelier. Paysanne. Voilà. Hop. On fait les 163, mais on en vendra 100. Donc je vous retrouve à la fin de ça. Voilà les amis, on a fini. On a passé le niveau 103, et vous pouvez voir à 66%. Donc quasiment deux niveaux. On va dire pour 200, ça fait deux niveaux. On a nos... Bon, 170. On a nos trucs. On va vendre ça. Vous pouvez voir que c'est quand même très rapide. Vous avez vu, j'ai quoi? J'ai fait ça. Peut-être 20, même pas 5 minutes. Je sais pas combien de temps, j'ai pas de chrono sur la vidéo. Mais en cueillette, ça va très très vite. Puis on a juste à acheter les ressources. Si vous êtes dans votre serveur, c'est un peu plus cher. Il y aura juste à faire un petit drop. Ou être pêcheur. Et, ouais, être pêcheur, je pense que c'est pêcheur et alchimiste. Si vous êtes les trois, c'est gratos, quoi. Vous avez 200 000 de réduit. Les pots de scorbut, ça vaut vraiment pas cher du tout. Donc ça, je suis sûr et certain que dans tous les serveurs, c'est gratuit. C'est à peu près 30 000 les 100. 6 000 les 100, voilà. Quasiment tout le monde. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est soit de les vendre. Vous voyez, il y en a encore pour 900 000 en vente. Donc on peut voir par contre que par 10, ça se vend pas. Donc 14 500, voilà. 214 500. Voilà. On va retirer. Va retirer les autres. Ouais, celui-ci, je vais les vendre. Voilà, donc ça fait, ça nous fait à peu près 70 000 de bénéfices pour même pas 2 minutes de farmage. Donc dites-vous que si vous faites, je sais pas, ouais, vous faites 1600, 1600 pains, en une semaine vous les avez rendus. On va faire le calcul. Non, attendez, 1600. Voilà, 160. On va arrondir à 210 000. Voilà, vous faites 3 millions. Vous faites 3 millions en une journée. Je pense qu'il y a largement moyen d'en faire 160 en une journée. Après, ça, c'est mon avis. Vous avez bien vu combien j'en ai fait. J'en ai fait 160 en même pas. Enfin, j'ai fait un pack de 100. J'aurais fait peut-être 1 minute de plus. J'aurais fait deux packs de 100. Donc 200, bien sûr. Franchement, il y a moyen de faire une bonne astuce Camas pour les métiers. Et en plus, ça peut faire un bon XP. Puisque pour l'instant, moi, je cherchais justement à faire de l'XP et rendre un petit peu. De bénéfices au niveau de mon métier. Donc ça a été le cas, donc c'est super. On va regarder en banque combien on a crédité exactement. Parce qu'il y avait marqué 500 000. Bon, le petit fail, voilà, comme d'habitude. Alors, je pense que la vidéo n'a pas duré très longtemps, donc ça va. On est propre. Voilà, donc on a 600 000. Du coup, prochaine vidéo, on sera sûrement à 10 millions, si je me trompe pas. Si on a vendu tout, ouais, on sera minimum à 9 millions à la prochaine vidéo. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo pour vous aider avec le métier paysan vous aura plu. On se retrouvera sûrement avec un autre XP paysan, à voir si ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, je vous aime, mes bros.